Elle va sortir fin 2014, en fait, c'est la prochaine trottinette électrique de Micro, en fait même leur première. Ils n'en avaient jamais fait, jusqu'à présent on avait plutôt des marques chinoises qui étaient présentes ou allemandes. Là maintenant c'est une petite Suisse qui débarque avec un produit comme on le voit extrêmement fin, tout à fait léger et d'apparence en fait tout à fait mécanique en fait. C'est très difficile d'imaginer que c'est une trottinette électrique, de par son plateau qui renferme la batterie. Ce qu'on peut voir quand même c'est la roue arrière, avec ses quatre vis qui renferment tout le moteur, tout le système de récupération d'énergie. Le système de fermeture, histoire de voir à quel point elle est compacte, est relativement classique. Voilà. Et ça donne une trottinette de 6,5 kg, tout à fait transportable et qu'on peut prendre dans le métro, contrairement à beaucoup de ses rivales. Son petit défaut, l'autonomie, enfin c'en est un petit. Elle a que 10 km d'autonomie quand on est à pleine vitesse. Malgré son allure tout à fait banale, ne vous fiez pas à son look enfantin. En fait, elle est vraiment pas pour les enfants justement. Vous la voyez là plutôt comme un modèle adulte. Il y a vraiment une prise en main un peu particulière dans le sens où il n'y a ni accélérateur ni frein. Ce qui peut parfois surprendre, par exemple, lors d'une accélération un peu franche, on la voit, elle part toute seule. On ne peut pas couper à la main. Après, il faudra la soulever, ce qui va couper le moteur tout seul. Petit détail ergonomique sympathique sinon, qui vient peut-être compenser son allure un peu trop classique pour l'instant, c'est la forme des poignets qui a été pensée pour amortir les chocs.